أزول نشوف يسوى نورال تم دي ثقير وكن أد المسلاي غافي منو مسناوي قد شنا تاس غافت مورت غاف مورت القضايل لفت مز غاف مورت من الزير أد المسلاي غاف مس بيير بورديو ونفي مارا ونغرا نحو سالين يقولا لنوذي شكن قوين يخدم لنوذي ديو ثنديس هنعرضي وكن أد المسلاي وقاف نشتاقا في لقدش يخدم لدغا غاف وخام نتمور ثنا القبايل لا ميزون كابيل هاد المسلاي كي ديو ثنت مسناو قد شنو لان سات تصف مزيغ في كسن ان بيير بور ديو يخدم لنا يدس مسات سات ياسين ازول بونسوار ازول محمد المسلاي سقبايلي سترومي اذا كنت بغيت شي تاكا شي تاكا دونك سير ديو كنا المسلاي بيير بور ديو ان الجيري 1956-1961 تيمونياج هاد المسلاي فوكي ماشا يساعد ان تسويع في وكنا نغال في مسلاي ديال الانفلاس يو بوكو بوكو دو بوليميك يو بوكو داتاك اونفير بيير بورديو نوتا يونا كيلكوزين كي فيان ميم de certains de ses anciens élèves. Il y a d'autres qui sont connus, qui sont un peu eux aussi algériens. Je pense notamment à Kadri, pour ne pas le nommer, c'est Kadri, on commence par lui, qui a fait beaucoup de reproches à Bourdieu. En quelques mots, même si je suis sûr que beaucoup d'entre nos téléspectateurs le connaissent, on ne peut pas le résumer en quelques mots, en quelques phrases, mais qu'est-ce que vous pourriez dire sur Pierre Bourdieu ? Pierre Bourdieu, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est un intellectuel, c'est un savant qui a travaillé beaucoup sur la sociologie, mais je dirais pas simplement. Il y a d'autres disciplines qu'il a couvertes, que je ne nommerai pas ici. Et je dirais en tous les cas par rapport à Berber Télévision et surtout par rapport à mon champ de recherche, c'est quelqu'un qui a été très important et qui a beaucoup, beaucoup apporté à la connaissance de l'Algérie, à la Kabylie, et on lui doit beaucoup de travaux là-dessus, et il a ouvert un champ de recherche et de réflexion très important sur lequel nous continuons encore à travailler. Et on n'a pas mis un point final. Voilà. Il a écrit beaucoup, beaucoup de livres. On ne va pas en parler de tout ça, mais j'aimerais comprendre est-ce que vous-même vous avez compris et pourquoi ces attaques. Donc déjà, il y a eu un colloque l'année passée où on a eu l'impression que Pierre Bourdieu, c'est lui le bourreau de la secte. On a l'impression le wokisme, les islamo-gauchistes, tout ça c'est lui. Ça c'est la première chose. Et puis on va revenir un peu en détail sur d'autres attaques, comme quoi c'était un appelé, comme quoi c'est ces enquêtes militaires, mais les militaires. Est-ce que c'est venu comme ça? Est-ce que c'est organisé? Et pourquoi ces reproches, si vous l'avez compris? Écoutez, moi, je ne peux pas vous dire si c'est organisé ou pas, mais dans la conjoncture actuelle, ça me semble assez compliqué. Effectivement, par rapport au colloque de l'année dernière, il fallait bien trouver un bouc émissaire, on a trouvé celui-là. Ça faisait longtemps qu'il dérangeait justement la pensée dominante, donc il a beaucoup critiqué cette pensée unique, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, je dirais que Bourdieu a commencé à critiquer le système, à critiquer ce qui se passait en France et dans le monde par rapport à certaines questions. Elles sont économiques, elles sont politiques, elles sont sociales. Donc c'est quelqu'un qui a toujours tenté de déconstruire le système. Donc c'est tout à fait, je trouve, normal qu'on le critique. Mais en faire la figure du wokisme, ça c'est faux d'abord, et on mélange tout. Hein, et Bourdieu n'avait pas attendu le wokisme aux États-Unis pour pouvoir s'exprimer justement sur certaines situations, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales. Et là, justement, l'un des premiers combats, les premières destructions, je ne dirais pas combat, c'est encore autre chose, c'était justement cette prise de conscience depuis l'Algérie, en Algérie. Et là, quand je dis ça, il ne faut pas en faire non plus un héros. C'était pas un héros. C'était pas non plus quelqu'un d'engagé, de si engagé que ça. Je mesure mes mots. Je ne dis pas qu'il n'était pas engagé. Mais c'était pas... Bourdieu n'a pas pris le drapeau algérien, il n'a pas dit « Vive l'indépendance de l'Algérie » en 1955-1956. Ça ne s'est pas passé comme ça. Oui, mais c'est un travail de l'intérieur, depuis la recherche, avec une recherche sur le terrain. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Ça veut dire, je comprends, mais en même temps, voilà, on pourrait dire aussi que... Parce qu'on parle beaucoup de Rocard, et l'article de Rocard sur les camps, mais Bourdieu en a parlé avant, par exemple. Oui, alors attendez. Donc, là, c'est très intéressant. C'est très bien qu'on posait la question sur Rocard. C'est très bien parce que ça peut constituer une réponse, hein,
assez critique là-bas. D'abord, il en a parlé justement dans Sociologie de l'Algérie en 61, où il, c'est un petit paragraphe où il dénonçait justement la guerre et les camps de recours. C'est la première fois qu'on en parle. Et vous m'avez parlé de... Oui, vous avez évoqué quelques... Vous avez évoqué Aïssa Kadri tout à l'heure. Oui, par exemple, pour lui, le fait que ça soit dit en 61, ben oui, mais en 61, le problème, c'est qu'on ne savait pas qu'il y aurait l'indépendance. En 61, nous étions encore en guerre. L'Algérie était en guerre. Donc le dire, c'était important. Mais alors, là, suivez mon regard, là où le reproche est, pourquoi il ne l'a pas dit avant? Le problème, c'est qu'il était, comme vous venez de le dire, c'était un appelé. Et un appelé ne choisit pas. Un appelé, il est au service de l'armée. Et comme dans toute armée, d'ailleurs, en écoutant certains qui ont écouté cette vidéo, on dit, mais ça se voit, des Algériens, ça se voit, il y a des gens qui n'ont pas fait l'armée. Quand on n'a pas fait l'armée, on ne comprend pas ce qui se passe dans l'armée. En temps de paix d'abord, et ensuite en temps de guerre. En temps de guerre. Et vous êtes obligés de faire ce qu'on vous dit. Ah, donc moi, pour moi, cette période-là, je dois avouer sincèrement, je ne la connais pas très bien. Et on lui reproche surtout, donc je viens de par rapport à ce que vous venez de dire, donc on lui reproche surtout ce rapport qui a été envoyé à l'ONU en 58. Et voilà, le rapport a été établi par Gourlin, qui était donc chargé d'information au gouvernement général. Mais moi, je me pose la question, c'est que quand on dit gouvernement général, mais le gouvernement général, ce n'est pas des militaires, c'est l'État français. C'est l'État français. Il est le représentant de l'État français de France en Algérie. Donc ce n'est ni Gourlin, ni Madame Bachetti, là, et ni Bourdieu. Donc lui n'a fait que mettre en forme un travail qui a été établi par la hiérarchie et la hiérarchie politique en premier lieu. Donc, c'est plutôt Paris. Voilà. Ben, bien sûr que c'est Paris. Bien sûr que c'est là. Et Sayad explique. Hein, non. Il explique bien comment ils sont arrivés là-dedans, comment Bourdieu est arrivé, comment lui-même aussi. Là, c'est encore autre chose. Là. Okay. Là, c'est encore plus grave parce que c'est après le service militaire. Mais pendant le service militaire, effectivement, il était attaché au cabinet de Robert Lacoste. Mais il était bien sûr obligé réécrire, de mettre en forme. Mais c'est pas lui le décideur, c'est pas lui la tête pensante. Et là, ça me fait rappeler Germaine Thion, qui est une femme formidable, qui était d'ailleurs au procès de Nuremberg. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais pourquoi vous amenez des individus, à part les chefs, mais les autres, non. Les autres n'ont fait qu'obéir à des ordres. Donc c'est le système qu'il faut mettre en question. C'est tout le système, et non pas un individu, et un individu qui n'avait pas d'autorité, déjà pour lui-même, décidait pas pour sa vie, à plus forte raison, décidait dans des questions politiques très importantes. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, ce que je sais jusqu'à présent, pour moi, et pour tous ceux, par exemple, si je saute du coq à l'âne, ce Stanislas Hutin, qui a fait un journal de bord Algérie, novembre 55, mars 56, il décrit des aurores, mais il n'avait pas le droit de les écrire. Ses copains même, ses copains, voulaient le descendre, comme on dit, parce qu'il n'était pas d'accord avec la torture, il n'était pas d'accord avec tout ce qui se passait. Et là, il décrit des choses, des techniques de torture qui sont horribles. Et le livre a été publié bien plus tard. On n'en voulait pas, mais personne ne voulait le publier en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là, c'est une affaire de secret d'État. C'est des gens qui étaient, que ce soit lui et beaucoup d'autres d'ailleurs, qui n'étaient pas au gouvernement. Alors quand on fait appel à eux, pour des traductions, pour de la diffusion, ben ils étaient obligés d'y aller. Ou c'était ça, ou c'était le cachot. Tout ce qu'on peut lui reprocher, oui, il aurait dû peut-être choisir le cachot. Mais sinon, au gouvernement général, jusqu'à preuve du contraire encore, hein. Jusqu'à preuve du contraire, voilà, il était aux ordres. Donc, ça, c'est la première période. Et donc, il est resté dans les bureaux, il est resté jusqu'en 58, oui. Voilà. Avant, il était dans une usine d'explosifs qu'il gardait. À mon avis, il ne gardait pas cette usine d'explosifs avec un stylo. Il a gardé voilà. Et là, pour lui, je pense, pour lui et pour les gens qui étaient autour, ben, il valait peut-être mieux qu'il soit là, même si, bien sûr, il était aux ordres. Hein, voilà, on peut le regretter,
Voilà. Et si ça n'avait pas été Bourdieu, jamais aujourd'hui on en parlerait. C'est parce qu'il est devenu ce qu'il est devenu qu'on est revenu à cette période-là. Moi, je voilà. Donc moi, si vous voulez, il y a cette période qui est où il n'était pas lui-même, il était aux ordres, voilà. Et il y a une deuxième période. Mais à part le, et puis on arrive à la deuxième période, donc pour en finir avec ça, à part lui reprocher ça justement d'avoir obéi aux ordres. Oui. Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas, pas fait de dépassement, il n'a pas fait d'exactions, il n'avait pas le droit de toute façon. Voilà. Ni dépasser, ni faire plus, ni faire moins, en lui demander. Les ordres. Et voilà, il était obligé, puis de toutes les façons, c'était sous. Voilà. Et puis, il n'y avait pas que. Je veux dire, qu'il y avait d'autres soldats qui, comme lui, avaient le choix entre la plume ou le fusil. Voilà. C'est, par exemple, si on prend un type très. Les intellectuels de l'armée, on pourrait. Voilà. Eh bien, oui. Par exemple, quelqu'un comme Jules Roy, qui est un type exceptionnel, qui a écrit une très belle fraise sur l'Algérie, en faveur de l'Algérie, qui lui était pied noir. Ben, lui, il avait fait l'armée d'Indochine. Mais lui, il était. Dans l'armée comme professionnel. Et c'est grâce à Jean Ambrouche qu'il est devenu, enfin, Jean Ambrouche l'a conscientisé au problème algérien. Voilà. Donc, bon, en tout cas. Ça c'était la première. La première période, en tout cas, moi, je dis encore d'après ce que je sais. Ce que je sais jusqu'à présent. Voilà, je ne sais pas plus que ça. Au moment où j'ai écrit l'introduction à la esquisse algérienne, les archives n'étaient pas ouvertes et j'ai écrit cela. Entre nous, il y a des gens qui reprennent ça comme argent comptant sans jamais me citer, mais ça, c'est pas grave. Mais moi, je l'ai fait à partir d'enquêtes des gens qui étaient là. Et les gens qui étaient là, qui ont connu cette période, qui l'ont connue, et il n'y avait pas, c'était surtout des gens, excusez-moi de le dire comme ça, des gens de gauche et des gens qui étaient engagés. Quelqu'un comme André Nouchi, il était communiste, pro-FLN, il écrivait dans El Moujahid, il a dû s'enfuir, d'autres encore. Emery, qui l'a connu, qui était aussi, qui a dû fuir parce que les étudiants pieds noirs voulaient sa peau, etc. etc. Donc voilà, moi je l'ai connu à partir de gens comme ça. Les autres, malheureusement, ne font pas partie de mes fréquentations. Mais en tous les cas, voilà. Donc tout ce que je peux dire, maintenant, s'il y a des archives, s'il y a des gens qui ont quelque chose à apporter, pourquoi pas. Moi, je suis pour que les gens étudient cette période, pour qu'ils la critiquent, et s'il y a qu'il y ait des doutes, pourquoi pas. Mais ce que je conteste, là, je le conteste avec force, et je trouve ça humiliant, je trouve ça, je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour le dire. Par exemple, le jeune que je connais, là, d'ailleurs, qui est adorable, qui est très intelligent, Silverstein, qui affirme que Bourdieu n'a pas vu de maison kabyle. Voilà. Et qu'il n'a travaillé que sur les camps. C'est vrai qu'il a travaillé sur les camps. Hein? Et puis que ça va être repris par deux anthropologues que je connais. Ben ça qui est venu une demi-journée. Il est monté une demi-journée avec lui à Tizi Ouzou. Parce que je l'ai invité à Tizi Ouzou. On est monté au barrage de Tarsept. Comment est-ce qu'il peut voir des maisons kabyles à la Bourdieu? Ah, t'acceptes entre nous, escortés par des... Escortés, on était escortés pendant la guerre, voilà. Voilà. Et puis après, il dit, mais c'est pas vrai, c'est de la fantasme. C'est pas possible, ça. C'est impossible. Il faut aller voir sur place. Et puis les maisons kabyles ne sont pas à Tizi Ouzou. Oui, donc on va revenir aux maisons kabyles, je voulais juste... Mais non, parce que c'est très important. Oui, bien sûr. Parce que c'est très important. Alors, c'est cette seconde période où il va finir son service militaire, oui, en 58, en mars. Et cette période-là, justement, c'est là que vont commencer, en 59, donc il y a eu du temps, hein, pour les deux enquêtes sur le travail et sur le logement. C'est sur le travail et c'est sur le logement. Donc les camps, l'enquête sur les camps, c'est en fait une enquête sur le logement. Et on va y revenir dessus, et ce n'est pas du tout des militaires, c'est absolument faux. Sayad en témoigne, et Bourdieu me l'a dit 10 000 fois, c'est en fait une enquête, l'idée est partie de Paris, et c'était donc pour faire une enquête statistique sur le logement et sur le travail. Donc c'est de là que va naître travail et travailleur et le déracinement. Le déracinement, qui encore une fois, n'était pas sur les camps.
c'était sur le logement. Donc le logement en pays rural, c'est-à-dire les camps, et le logement dans les bidonvilles. Mais il va l'appeler après le déracinement, mais au départ, c'était pas... Et puis ce que je conteste aussi, permettez-moi de le dire, après je reviens à Roca, ce que je conteste aussi, cette idée que ce ne serait pas tout à fait orthodoxe, qu'on se pose des questions. D'abord, il faut les poser. Il faut les poser clairement. Encore une fois, s'il y a des archives, on est là pour les lire. Oui, et puis, c'est le jugement de valeur. C'est le jugement de valeur qui fait un peu mal. Parce que là, en fait, dire que les maisons de cabine n'existent pas, les gens n'avaient qu'à aller faire l'enquête. Voilà, on ne va pas à l'ACB interroger des jeunes au bistrot, ils n'en savent absolument rien. D'abord en France même, il y avait des vieux, hein, il y avait des vieux, tout le monde sait ce que c'est. Et puis après, il faut quand même prendre le temps d'aller en Algérie, d'aller demander qu'est-ce qu'il en reste. Et en plus, on est 40 ans après, et maintenant on est 60 ans après. Et moi l'année dernière, je n'ai pas été partout. Et j'ai trop. De toute façon, vous le savez, j'ai même pas besoin de le savoir. On va passer les images. Il y a des villages entiers qui n'ont pas été rasés. Voilà, qui n'ont pas rasés. Pourquoi? Parce que l'armée s'est installée à l'intérieur. Voilà. La Kabylie a été très traumatisée par la guerre. Donc l'armée s'est installée à l'intérieur. Les villages de harkis et de gens qui étaient plus ou moins liés à la n'ont pas été touchés. Et donc c'était simplement les hameaux. L'habitat dispersé, ce qu'on appelle l'habitat dispersé, et les gens qui étaient très très proches des montagnes, qu'on va déplacer. Et ça, je regrette beaucoup qu'il y ait des bêtises comme ça qui se disent, c'est de la nostalgie, il y avait plein de nostalgie. Là, si vous lisez, je vous cite la page 123 de ce livre-là, où, Budin dit, « J'ai vu de mes propres yeux des gens qui étaient dans un petit hameau de la montagne démonter le toit de leur maison, enlever les tuiles, descendre tout cela pour aller s'installer dans le regroupement de Kerkera où il y avait des gourbis. » Ouais, ils ont vu ces camps de regroupement en train de se faire. Ils les ont vus. 59-60, jusqu'en 61, il y avait encore des... Donc ils les ont vus. Ils ont vu les camps en train de se faire, ils ont vu les maisons en train de se défaire pour faire un jeu de mots. Et donc, comment est-ce qu'on peut oser dire ça? C'est un mépris pour la population. Et puis, il y a beaucoup... Et c'est un mépris. Bah oui. Et puis, en plus, là, quand on dit Bourdieu, moi, je veux bien. Hein, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui et j'en aurai toujours. Mais il y a quand même un problème. Bourdieu n'était pas le seul. Mais on se moque du monde. Bouhadja dit qu'ils étaient au moins 10. Moi, je dirais 15, si on compte les... Bourdieu n'était pas seul. Il était avec 10 autres personnes. Il y avait des berbérophones, il y avait des arabophones, il y avait des juifs, il y avait Acardo qui était un français d'origine, etc., etc. Ils étaient plusieurs. Vous comprenez? Et c'est des gens qui n'étaient pas payés. Ils ont fait ça volontairement. Donc moi, je me dis, mais enfin... Pourquoi c'est à lui qu'on va faire porter le chapeau? Parce que il est l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Vous comprenez? Donc ça me semble important. Pareil pour travailler travailleur. C'est pas là, il n'y a que la partie sociologique qui est de Bourdieu. La grande partie d'ailleurs, les trois quarts du livre, ce sont les statisticiens. Donc Bourdieu, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne veux pas encore une fois minimiser son travail. Il a analysé les statistiques. Il y a les statistiques, mais il y a aussi le travail le travail d'observation. Là, c'est lui. Mais sinon, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir inventé travail et travailleur. Il ne peut pas avoir inventé les camps de regroupement. Mais tout ça me paraît être une salade incroyable. Est-ce que, parce que vous pourrez se dire aussi, il est attaqué parce qu'il travaille il a travaillé sur la Kabylie, mais il est parti aussi chez les Mzab, il est parti dans les Aurès. Non, il y a le Mzab, il y a des archives là-dessus, je les ai. Il y a l'Aurès, donc ce qu'il a. Il avait aussi zioté un peu de l'MCM, comme cité urbaine, très, très, très. Voilà. Mais il ne pouvait pas tout faire. Pourquoi l'Aurès et le Mzab
et la Kabylie, ils voulaient voir, ils voulaient vérifier justement s'il y avait une architecture très ancienne, méditerranéenne, à la fois citadine, et nous avons dit que vraiment c'est citadin, hein, et rural, comme dans l'Aurès avec les toits terrasses. En terrasse, et la Kabylie avec les toits, enfin, que tu connais. Voilà, donc c'est ça qu'il avait voulu faire. Et ces structures, évidemment, de l'habitat, ce sont aussi des structures sociales, anthropologiques, symboliques, etc. etc. C'était cette dimension-là. Et non, je voulais tout quand même revenir à Rocard, à Rocard qui va faire son article. Et là aussi, tenez-vous bien, mais je me dis, mais c'est pas possible, je ne le lis pas. Mais Rocard, il le dit très bien. Rocard a découvert... de façon, comment dirais-je, subite, les camps. C'est son copain, sous-préfet, socialiste, hein, qui lui dit, mais tu sais, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, il regarde, mais il revient une deuxième fois avec un ordre de mission pour travailler sur le foncier. Donc, on n'allait pas comme ça vous promener et puis dire, voilà, je viens faire des enquêtes. Et c'est là qu'il fait son travail. Mais qu'a fait Rocard ? Tout Rocard qu'il était, avec le grand respect qu'on lui doit. Ben Rocard a essayé de faire parvenir ce rapport à De Gaulle, parce qu'il savait très bien qu'il y avait des intermédiaires qui ne laisseraient pas passer. Et c'est une fuite. Et Rocard disait, mais moi, je m'interdisais, tenez-vous bien, de le divulguer, parce que ben, c'était un haut fonctionnaire. Il n'avait pas le droit. Il respectait. Non, pour dire, on respecte d'abord. Non, oui, c'est le système français qui est comme ça, peut-être d'autres aussi. On respecte ces hiérarchies. Donc, un haut fonctionnaire n'a pas le droit de divulguer. Vous comprenez? Et c'est à partir de là, donc, que les. Non, parce que j'y tiens, parce que c'est très important. C'est à partir de là que les journaux, tous les autres journaux, et d'ailleurs, Saïd le dit très bien, tous les journaux ont essayé donc de s'approprier ça, ont divulgué ça, et moi je le pense, moi, c'est ma pensée à moi, je ne pense pas que ça soit vrai que Paris n'ait pas connaissance de ces camps de regroupement. Il y en avait à peu près 2000, et je ne pense pas, quel que soit le général, s'il y en a un qui a fondé un camp, il ne pouvait 2000 camps, vous vous rendez compte ce que ça suppose? Comme commandant de SAS, comme employé, comme secrétariat, comme moyen économique. L'armée toute seule ne décide pas. Mmh. Moi, je pense qu'on le savait en haut lieu, mais on ne l'a pas dit parce que ça donnait une très, très mauvaise image de la France. C'est à partir de là, donc, que les militaires, là, je l'ai vu dans les archives, il faudra qu'on le vérifie. Il y a une enquête militaire. Et c'était des enquêtes itinérantes qui ont été faites. Elles existent. Hein, c'est décrit en tous les cas. C'est après donc cette bavure-là de l'observateur que l'on a demandé, à ce qu'il y ait une enquête sociologique. C'est comme si le militaire voulait se laver de ça. Donc on va demander à des statisticiens, à des civils d'aller le faire. Voilà, donc ils font leur boulot d'un côté, mais de l'autre côté. Donc, et là, si vous permettez, moi j'aimerais bien vous lire ça, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Alors, que nous dit donc Saïd alors, qu'est-ce qu'il nous dit donc mais quand la presse de l'époque, les hebdomadaires surtout, l'Express, l'Observateur, Réforme, Les Quotidiens, La Croix, Le Monde, les revues, les temps modernes, s'est mise à s'apitoyer sur le sort des centres de regroupement et des populations regroupées, de la sorte, lorsqu'elle a commencé à dénoncer les conditions de vie qui régnaient dans ces centres. Cela s'ajoutant aux dénonciations faites de la guerre, on a confié donc une responsabilité d'une mission d'enquête à un général. Mais pour que cette enquête ne soit pas simplement une enquête militaire, des militaires enquêtant sur eux-mêmes et se visitant les uns des autres pour qu'ils ne soient pas un simple parcours de parlementaires, de journalistes, de visiteurs plus ou moins charitables, on a demandé à l'ARDES de se charger de ce travail d'enquête et cette fois-ci d'enquête aux sciences scientifiques, autant que possible du terme, ou tout au moins d'un travail de réflexion sur cet objet. Bien sûr, l'ARDES a sollicité Bourdieu pour la dimension sociologique de ce travail, qui était à dire vrai un travail de sociologie exclusivement, une dimension sociologique qui est en fait, la totalité du travail. Voilà. Donc c'est clair. Ben, c'est clair. Et surtout, travail et travailleurs, le point nodal, c'était les statisticiens qui ne savaient pas comment faire de la statistique dans une culture qu'ils ne connaissent.
qui vont l'appeler. Et c'est comme ça, et c'est comme ça aussi. Et cette question-là, évidemment, je comprends aussi les gens qui ne connaissent pas. Hein, je ne parle pas de mon collègue et ami, que, voilà, dont j'apprécie le travail, bien entendu. Mais les gens qui ne connaissent pas disent, mais comment ils ont travaillé pendant la guerre? Mais oui, mais bien sûr que la question se pose. Mais pendant la guerre, je veux dire qu'on ne pouvait pas travailler sans autorisation, qu'on ne pouvait pas travailler sans escorte. Et là, justement, c'est ni Sayad ni Bourdieu qui me l'a raconté, c'est d'autres qui étaient dans... Ils allaient à Kolo en... Dites-moi ce que c'est là. En bateau. En bateau. Mais il n'y a pas que, hein, même les civils. Même il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Ils allaient jusqu'à Kolo en civil. Et de Kolo jusqu'à Sheraya et dans les autres camps, ben, c'était des camions militaires qui les accompagnaient. Ils les accompagnaient, ils les surveillaient. Mais là aussi... comment est-ce qu'ils ont fait pour travailler dans, vous allez me dire, dans ces endroits-là ben, ils ont travaillé dans ces endroits. Pourquoi cette région-là? Parce que c'était la région, c'était la plus chaude. Il y a une forêt très dense, mais les militaires français perdaient à tous les coups. Et à partir d'une certaine date, quand Jacques Budin arrive là-bas, il dit, j'étais accueilli par le sous-préfet. Sous-préfet français. Il lui dit, mais bienvenue dans la République algérienne. C'est-à-dire que les militaires français ont perdu du terrain et la LN avait gagné du terrain. Et alors là aussi, on peut se demander comment un jeune Algérien comme Sayad, n'oublions pas que la Bleuite est passée par là, la connaît, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et oui, qu'est-ce qu'il fait au basque d'un Français? Et qu'est-ce que c'est que cette équipe-là? Ils étaient 12, encore une fois, je vous dis. Et qu'est-ce qu'ils font dans un endroit aussi chaud s'ils n'avaient pas l'aval de la LN? Et les gens, ils ne répondraient pas, ou alors ils répondraient à côté. Et encore, je continue sur l'enquête, ce que je crois savoir, je peux me tromper. Oui, il y a eu la question de la langue qui a été posée. Mais parce que certains disent Sayad, par exemple. Mais Sayad ne parle pas l'arabe. Mais si qu'il parle l'arabe, puisqu'il a grandi à Batna. Il parle l'arabe des hauts plateaux. Mais Alger, comment il a fait? On ne va pas me dire qu'il s'est baladé avec un traducteur. Il a été à l'école normale. Il a fait l'ordre normal d'instituteur. Ensuite, il a enseigné, il était instite. Donc, il ne pouvait pas, à mon sens, à moi, il ne pouvait pas circuler dans une ville arabophone, parce que toutes les villes sont arabophones, sans parler l'arabe. Donc, il a dû parler l'arabe à sa façon, mais il a dû le parler. Et en plus, quelqu'un qui a entendu et ça, il a dit, mais enfin, il faut lui dire quand même que tous les Algériens adorent l'inspecteur Tahar. Il parle du Julien. Ouais. Voilà. Et puis, moi, je pense que je réponds là aussi, c'est une fausse question, puisqu'il y avait quand même, dans cette région, il y avait quand même des gens qui étaient à l'école, jusqu'au certificat d'études, il y avait des gens qui sont des études. Et puis, il y a notre Salah Bouhadja qui dit, qui témoigne. Oui, oui, dans le livre. Voilà, qui témoigne et qui dit, je les ai orientés, voilà. Je les ai... Très bien. Donc, tout ce travail est passionnant. Aujourd'hui, on s'est dit, parce que, comme on s'est dit, il faudrait peut-être plusieurs émissions, mais aujourd'hui, on s'est dit, on va parler un peu aussi de la maison. Oui. Parce qu'on a vraiment de belles images, notamment, vous avez pu récolter de belles photos sur les maisons kabyles. Certaines datent d'il y a peut-être quelques années. Donc, des fois, on se pose la question, comment des gens... sans faire une enquête, se sont dit qu'il n'y avait pas de maison kabyle, tout a été détruit. Mais c'est ça qui est choquant, parce que d'abord, c'est, là aussi, ça se voit vraiment que c'est de l'interprétation pure et simple, c'est eux qui sont dans la fantasmagorie. Pourquoi? Parce que la France a fait beaucoup de tort, a fait beaucoup de malheur, c'est clair. Parce que des fois, j'ai l'impression de défendre les... C'est pas vrai. Il y a 20% de la population qui a été regroupée. Mais il reste quand même 80%. Paris n'a pas été rasé en 45. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dégâts. Mais dans toute guerre, c'est très rare qu'on rase tout. D'abord, on n'a pas tout rasé. On a rasé uniquement 20% de la population. Et c'est énorme. Et c'est dramatique. Hein. Ensuite, ça n'a concerné que le monde rural. Ça n'a pas concerné les villes. Voilà, donc le monde rural et la périphérie du monde rural. Parce qu'il y a des, vous avez vu des villages, j'ai pris la photo de Khlalat Abbas en 2019, hier. Oui, oui. Et vous allez, Abouda, il a décrit, il a fait son livre en 1984-85. Même si on dit qu'ils ont été restés. Ce livre-là, attendez, il a été publié en quelle année? En 74. Donc l'enquête a été faite dans les années 70-72. Et là, on voit des maisons détruites, oui, il y en a eu,
très peu d'ailleurs à Tienne. Et on voit des maisons restaurées, on voit des maisons abandonnées, mais il y a beaucoup, la plupart des Tiennais ont gardé leur maison traditionnelle. Mais quand je dis maison traditionnelle, attention, ce n'est pas la maison avec les bœufs et la charrue. Ils ont gardé, comment dirais-je, l'intérieur, ils ont gardé l'architecture intérieure, certaines ont été modifiées, mais au temps de Bourdieu, tout le monde avait ça. Le monde rural, c'était ça. Et donc, c'est un peu, si on passe les photos, la maison sur laquelle elle a travaillé, c'est la maison de base. Tezqan, Racham, je ne sais pas comment chacun l'appelle, c'est celle qui est à Abla, là, d'ailleurs. Abla, oui. Oui, moi je l'ai prise dans les années... Mertigzirt, oui. Voilà, dans les années, dis-moi, dans les années entre 85 et 90. Elle a été détruite pour autre chose. Oui. Mais moi, j'ai veillé dans cette maison-là. Donc, c'est la maison de base, c'est le rectangle, avec le canon, avec... Où on voit une femme devant, c'est pour nous la passer, c'est totalement intemporel. Voilà. Et puis, il y a l'intérieur aussi. Donc, parce que lui, finalement, Bourdieu, il arrive, il se dit, cette maison, c'est pas une simple maison. Mais on n'a pas compris, c'était la dimension symbolique. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, la maison de base, c'est Guénac. Voilà, c'est la maison de base. Et ce que vous voyez là, c'est Farham Plafia, c'est la petite cuisine qu'on met là en été. Mais en hiver, tout est dedans. Donc, il avait trouvé que ces gens-là avaient un sens extraordinaire, pas simplement de la décoration, mais de la dimension symbolique. Une maison, c'est pas rien. Donc, ils ont tout un système dans la tête. Et d'ailleurs, on lui fait dire dans cet entretien-là avec Hafid Adnani, c'est une métaphore, c'est l'expression du monde qui est là-dedans. Et voilà, et c'est ça qu'il a complètement, qu'il avait fait travailler. Et dans les photos qu'il avait faites, il y a ces intérieurs-là, Gelsmenzel, un peu partout, et on les voit. Et on voyait aussi beaucoup de choses. Là aussi, on vous dit, oui, mais comment se fait-il qu'il parle d'agriculture, qu'il parle de mariage? Mais non, dans les photos que j'ai vues, bien sûr qu'ils ne se mariaient pas tous les jours, les gens, mais ils se mariaient quand même. Ils faisaient des mariages symboliques. Oui. Et oui, et il y avait aussi des gens qui, les grandes familles, alliées à l'autorité coloniale de l'époque, militaire, mais les autorisaient à inviter des gens. Les gens normaux, ils s'étaient réduits à 5, 10, 15 personnes, mais les grandes familles qui avaient le soutien de la colonisation, ils faisaient leurs fêtes. Et là, moi, on avait des fêtes, par exemple, dans l'Aurès. La mariée, je dis en français, la mariée sur une mule, etc., les femmes derrière. Donc les gens, il y avait la guerre, bien sûr, mais il y avait aussi des formes de résistance. Faire un mariage, c'est aussi vouloir vivre. Et cette maison, donc, il y en a, comme vous dites, il y en a encore, mais pour les jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas, donc... Elle était construite comment? Elle était faite comment? On sait, hein, Tijda, Ajgou, et puis l'intérieur... Tout était à sa place, comme disait Bourdieu. Même pour se retourner, il y avait une manière de se retourner pour passer de l'intérieur à l'extérieur. Bien sûr, mais tout à fait. Et là, non, mais je veux dire que là, si on veut en voir, il y a quelques maisons qui restent. En tous les cas, l'extérieur est resté. L'intérieur, il y a des choses qui sont restées et d'autres qui ont disparu. Mais il y a aussi des reconstitutions, il y a des restaurations. C'est-à-dire qu'on garde la maison, mais on l'aménage. Par exemple, le village de Juvelin. Vous avez la photo, oui, elle a été restaurée à l'identique. Voilà. Et on a d'autres maisons, pas du tout à l'identique, c'est-à-dire on garde, mais on l'aménage après avec des meubles modernes et tout. Mais il y en a qui l'ont gardé. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait comme. Mais encore une fois, je trouve ça incroyable. De 40 ans après, 60 ans après, on veut retrouver la maison kabyle du temps de Bourdieu. On peut encore retrouver, mais ça doit se compter sur le bout des doigts. Voilà. Et alors, vous avez vu aussi, je pense que dans les photos, je pense que vous allez les passer quand même, trouver un moyen. C'est qu'il y a aussi beaucoup de ruines. Très belles ruines. Notamment, on les a obligés, par exemple, à enlever le toit, c'est ça? Voilà, on les a obligés. Là, à l'Alef-Abbès, vous avez le village, qui est magnifique, qui est encore là, et vous avez les maisons périphériques, ou les maisons suspectées. On pense que le mari est maquisard ou le fils. Donc, on les oblige à enlever. Ça aussi, c'est le Khalan Fahmbes, oui. Voilà. Donc, voilà. Un tambour. Là, c'est Mutchik, tu vois. Là, les maisons d'en haut ont été reconstruites, mais les maisons en face qui est périphérique, non. Encore. Là, voilà. Donc, là, c'est un mot fondé par une femme à la fin du 19e siècle, et qui était complètement détruit, et les gens n'ont pas reconstruit.
Et on voit bien aussi le type d'architecture. Là, ça ressemble beaucoup au sud marocain, ouais. En pierre sèche. Oui, en pierre sèche. Ouais. Voilà, voilà. Là, ça a été reconstruit après l'indépendance. Mais les gens sont repartis, se sont regroupés eux-mêmes à cause du terrorisme. Ça veut dire qu'ils sont repartis encore une deuxième fois. Ils ont laissé les lieux. Et là, ça reste. Ils en font des poulaillers, ils en font des, voilà, des lieux comme ça. Voilà, ça aussi. Mais alors, comment on peut passer, par exemple, Mais si on allait faire un tour, simplement. Oui. Moi, j'invite les gens qui ont des doutes à venir ça, faire un tour. Mosquée, c'est ça. Ça, c'est la mosquée Al-Qalal al-Abbas, vous voyez. Et c'est une mosquée à la Courdou. Elle n'a pas été détruite, elle est restée telle qu'elle, mais on invite, en tous les cas, s'il y a des Kabyles de la région, ou des non-Kabyles, qu'importe, hein, s'ils peuvent aider, ça serait super. Elle a été construite en 1542. Là, le village d'avant, c'est un village aussi. Je crois que c'est le même architecte qui a fait tout ça. Au 15e siècle, ça a été construit au 15e siècle. C'est un village maraboutique. Voilà. Et donc, tout ce qu'on a vu, les ruines qu'on avait autour, appartiennent à ce village. Ouagette City Green, voilà, vous pouvez voir, c'est un modèle de Casbah. Il y en a en Kabylie. Oui. De Casbah. Donc, on va lui reprocher, oh là là, pourquoi il n'a pas vu ça, pourquoi ça, est-ce Ouagette? Vous voyez comme. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Ben oui, ça, c'est du côté d'Edziki. Alors vous voyez là, en bas, c'est la maison traditionnelle, gardée, et à côté, c'est moderne. Et voilà, ouais. Mais en général, quand les gens peuvent garder la maison, ils la gardent. Ils la gardent. Ils la gardent. Sauf quand ils n'ont pas de place. On y met des animaux, on s'en sert comme buanderie. Voilà, mais ça je aussi, pense. C'est là, c'est des... Ah oui, ça, je vais là. Je vais là, voilà. C'est gardé tel quel, là. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique en haute montagne et tout. Voilà. Voilà, c'est la première. Non, voilà. Oui, mais il y a aussi. On continue donc à faire défiler les tombes. Il y a aussi. On a parlé un moment comment ça y vivait avec les animaux. C'était pas vraiment. Parce qu'il y avait toute une organisation aussi. Mais là aussi, bien sûr. Les animaux sont en bas. Ils sont séparés par une murette. Il n'y a que deux trous pour qu'ils puissent sortir leur tête et manger de la paille. Okay, ouais. Et ce ne sont que les animaux importants, c'est-à-dire les bœufs, les chevaux et les brebis. Ouais. Pas de chèvres. Les chèvres, les pauvres, elles peuvent supporter le froid. Non, elles peuvent supporter le froid. Elles peuvent supporter le froid, hein? Oui, c'est vrai. Et ça, c'est l'intérieur. L'intérieur, et là, c'est décoré par un poète, peintre, qui est Boualem Rabia. Voilà. Et là, il a reproduit exact. Et là, Bourdieu s'est beaucoup intéressé à ces symboles. Beaucoup. Voilà. Et il y a aussi une question que vous n'avez pas posée, que vos téléspectateurs m'ont posée, comme si j'étais, je suis responsable de rien du tout. Eh bien, Bourdieu a créé Aoual. Oui. On vous l'a posé à vous. Oui. Là, je dois dire que non, il n'a pas créé Aoual du tout. Aoual a été créé 2 ans. Enfin, Aoual. L'idée de créer une revue a été pensée 2 ans avant, le 14 novembre 1982, à la place du Trocadéro, à la suite d'un colloque organisé par Jean Guillard. Donc, Mambry a vu avec CNRS, Paris-Aix, ça n'a pas été possible. Et en rencontrant Bourdieu, il en a parlé, il a dit, bon voilà, écoutez, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien, donc le CRAP, le CRAP, ce n'est plus le CRAP, enfin bon, bref, en Algérie, la situation était compliquée. Et c'est là qu'il a dit, je vais voir avec LR. LR, c'est l'administrateur de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, et c'est comme ça qu'Heller nous a permis de publier Aoual à la Maison des Sciences de l'Homme. Oui, c'est-à-dire que nous faisions tout le travail intellectuel, même matériel, et eux, nous l'imprimaient. Voilà. Et Bourdieu a soutenu, bien sûr qu'il a soutenu Aoual, et avec plaisir, et simplement, il n'a pas soutenu qu'Aoual. Dans les années 90, il va soutenir Littérature Action, voilà, il va soutenir Regards Sociologiques. Et là, pour Aoual, je dois dire, et puis en plus Aoual n'est pas une revue kabyle, c'est une revue berbère, ouverte sur la Méditerranée, ouverte sur les autres langues, on a publié en arabe, on a publié en espagnol, on a publié en anglais, voilà, donc c'est pas une revue, c'est dette envers la Kabylie, et moi je veux dire, s'il a une dette, il avait Mambry, c'est le dernier qu'il va connaître, parce qu'il y a toute une liste de gens avec lesquels il a essayé d'entrer en contact pour développer la recherche en Algérie. D'abord l'IEP, Constantine, l'ONRS et Mambry. Il va finalement nouer des relations, personnellement, à partir des années de 1976, parce que Bourdieu va se rendre en Algérie pour
pour retravailler le sens pratique, et surtout grâce à une chercheuse qui était en thèse avec Bourdieu et qui était au CRAP. Voilà. Donc c'est à partir. En fait, c'est le dernier avec lequel il va renouer. Il a surtout travaillé avec Dembélé, avec Ben Mélod, relation avec lui, avec Ben Achenou, avec Ben Semen, avec d'autres encore, hein, je ne peux pas vous dire. Hein, et puis, surtout, il a essayé de faire en sorte que Sayad, juste après l'indépendance, qu'il puisse continuer à travailler sur l'Algérie tout en étant en France. Voilà. Et voilà. Donc il n'a pas fait que travailler ou rencontrer Kabyles. Non, son travail sur la Kabylie, c'est un travail personnel. Voilà. Mais il voulait développer la recherche en Algérie et en Afrique du Nord. Et là, je dois dire, dès 62, avec Brodel, il voulait fonder, tenez-vous bien, un centre d'études méditerranéennes. C'est-à-dire, c'est toute la Méditerranée. Je reviens à ce que disait tout à l'heure. C'est toute la Méditerranée. Il voulait créer une revue. Il y a toute une liste de gens. Il y avait Berck, il y avait Germaine Tillon, il y avait Marthelot, il y avait tous ces gens-là. C'était dans ce sens-là. Et puis, je pense, hein, il ne me l'a pas dit, mais je devine. Et lui continuerait à travailler sur la Kabylie. Il y avait Farès, Nabil Farès, qui était intégré. Donc voilà, alors là aussi, dire qu'il a une dette envers la Kabylie, là aussi je pense que c'est l'interprétation, c'est sympathique, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, après tout, c'est personnel. Mmh. Mais je ne pense pas, je pense qu'il avait une visée beaucoup plus large, et il voulait vraiment, à l'époque, ça aussi c'est une question de méthode et d'approche théorique, travailler sur la Méditerranée, c'est aussi... sortir du structuralisme. C'était donc, voilà, c'était une autre ère, c'est un autre monde que celui sur lequel travaillait Lévi-Strauss, par exemple. Donc, voilà, il y avait tous ces gens sur la Méditerranée, et je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti. Mais il avait cette idée-là. Et je pense que quand Tawel est arrivé, oui, il a, je pense, et voilà, c'est aussi normal, c'est un... C'était un grand professeur, un grand savant, qui, en développant les recherches chez les autres, ça lui servait en quelque sorte. Voilà. C'était aussi ses outils, c'était aussi... Vous avez travaillé beaucoup aussi sur Jean Amroche, il nous reste 5-6 minutes. Est-ce qu'il connaissait du moins... Ah oui. Pas de façon étroite, mais dans une de ses lettres, il disait... qu'il écoutait Jean Amroche à Alger. Parce qu'il faut savoir que, justement, je reviens à ça, parce que ça, j'y tiens beaucoup, il faut savoir que ce soit les gens qui sont en faveur de Bourdieu et qui veulent en faire une espèce de savant engagé. Non. Il était à la fois engagé, mais engagé à sa manière, engagé par la recherche, et engagé surtout, je vous dis, les statisticiens, pour lui, ça l'a sauvé, parce que c'était une preuve que ce qu'il disait était vrai. Vous voyez ? Ça, c'est important. Et donc, à Alger, il écoutait Jean Amroche. Parce que Jean Amroche était interdit. Oui. Il y avait de la censure. Donc, ceux qui veulent en faire un héros, c'est faux. On ne pouvait rien faire en Algérie. On ne pouvait pas publier en Algérie. On ne pouvait pas s'engager en Algérie. Donc, les gens qui disent pourquoi ce sont les Algéries, donc il n'y avait pas un mot sur... Mais ils ne pouvaient pas avoir un mot sur le politique. C'était interdit. Ils ne pouvaient pas continuer. Et tous les gens qui sont engagés en Algérie sont partis. Mandouz est parti, Emri est parti, Nouchi est parti. Tous. On savait très bien, c'était le fascisme dans la ville d'Alger. Enfin. Donc ça, ils ne pouvaient pas. Et les autres qui disent, bon voilà, ils ont fait. Non, ce n'est pas possible non plus qu'ils soient engagés à niveau personnel. Lui, il était pour l'Algérie, moi je crois, hein, il était dans la sympathie. Il était contre la colonisation. Il était contre la guerre. Mais il ne pouvait en aucun cas exprimer sa sympathie pour le FLN. Ça va venir après, mais pas avant. Et puis ensuite, alors, une autre question, parce que dans les archives encore de Bourdieu, ben, les camps de regroupement et travail et travailleurs devaient, ils voulaient même les faire paraître dans un projet en 62. Donc, c'était pas du tout du jeu que ça sorte en 64. Et ça ne devait certainement pas dépendre de lui, ça dépend aussi des éditeurs. Les éditeurs. Ça, une chose. Et puis aussi, pour les camps, il n'y avait pas que les questionnaires. Les questionnaires étaient vrais et faux. Parce que le questionnaire, quand il rentre dans les camps, c'était des questionnaires sur la consommation. Qu'est-ce que vous mangez ? C'est plus facile de faire parler les gens sur ce qu'ils mangent que sur autre chose. Donc, il y avait une partie questionnaire, une partie observation. Pareil pour travail et travailleurs.
Les questions, voyez, les questions ne peuvent pas répondre à tout. Oui, oui, bien sûr. Ben oui. Et donc, c'est pour... Alors, donc, pareil, répression. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la répression? Si c'est la répression comme celle de Hutin, là où il décrit ce garçon-là, de 14 ans, on lui met un fil électrique à l'oreille et une autre testicule, le garçon avec... Non, il n'y a pas ça, mais il y a d'autres formes de répression. Quand on dit qu'ils obligent les gens à enlever les toits de leur maison et qu'ils les voient, c'est une torture. Vous comprenez? Ah oui, bien sûr. Bourdieu dit, il a vu un homme, un vieux, dans un coin, et les militaires vont avec les femmes à la fontaine, ils les obligent à leur servir du café, on ne sait pas jusqu'où ça s'arrête, hein. Ça aussi c'est une forme de répression. Oui. Et dans le déracinement, il y a un chapitre, je ne sais pas combien de pages, où ils disent que telle tribu, telle tribu, telle tribu, telle tribu ont disparu. Donc il n'y a pas de machin physique, mais en tous les cas, le dire comme ça, c'était une forme... C'était un engagement. Voilà, c'était un engagement. C'était un engagement. Voilà. Alors, donc, il écoutait Jean Ambrouche, je crois qu'il aimait bien cette voix, parce que c'est... Voilà. Mais je pense que c'est Jean Ambrouche qui va remarquer, à partir de Sociologie de l'Algérie, et qui va lui demander d'écrire dans la Revue Méditerranéenne. Et donc, je crois qu'on a un ou deux articles de Bourdieu dans cette revue. Dans la revue. Oui. Très bien. Je voulais que, juste qu'on termine peut-être par aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, à ce que, j'allais dire, à ce qu'on enseigne assez Bourdieu, peut-être qu'on enseigne aux nouvelles générations le capital culturel, la reproduction, mais est-ce que déjà, parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas lu, et puis est-ce qu'il est connu, il est enseigné déjà en France? Et j'allais dire aussi en Algérie, notamment chez les Kabyles, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas beaucoup aujourd'hui. En Algérie, pas du tout, parce que d'abord l'essence sociale, c'était un peu les parents pauvres, et la sociologie, et l'ethnologie, n'en parlons pas, c'est très très récent. Donc il y a eu un grand centre quand même qui s'appelle le CRAS, qui est ouvert il n'y a pas longtemps, enfin il y a quand même quelques années, mais c'est... Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça a marché beaucoup à un moment donné, mais bon, les choses ne sont pas aussi simples, et l'encadrement est a été très faible, et ils auraient besoin de voilà, moi j'ai travaillé avec eux, hein, voilà, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'ouverture, ils ont besoin de beaucoup de moyens, dont ce pays a besoin parce que c'est un champ incroyable. L'Algérie est un chantier incroyable, il y a beaucoup de choses à faire et donc pas assez de monde, pas assez de formation. Et en France, oui et non. Dans le supérieur, oui, ça dépend où, voilà. Donc, mais on connaît le Bourdieu des héritiers, le Bourdieu de la reproduction, oui. Des gens qui s'intéressent à ça, mais généralement, voilà. Mais ce qui m'inquiète, moi, en France, c'est qu'on ne connaît pas ce travail sur l'Algérie. Oui. On ne connaît pas ce travail sur l'Algérie, et on n'a pas pris conscience à quel point il était fondateur, à quel point il a été important. C'est parce que c'est sa relation. Il faut le lire, voilà. Il faut le lire au deuxième degré. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire... ça fait un peu mal au cœur d'en faire ce qui n'a pas été. Encore une fois, il n'était pas seul d'abord, c'était un travail en groupe. Et puis en plus, c'est vraiment ne pas saisir les situations. Parce qu'en Algérie, encore une fois, je reviens à Sayad, Sayad n'a pas brandi le drapeau algérien dans les rues d'Alger, ça c'est vrai, mais le fait quand même de promener ses basques, comme on dit, avec un Européen et d'autres, c'était risqué. C'est ça le risque, c'était celui-là, faire un travail dans ces conditions-là. Ils étaient à la merci de n'importe qui, que ça soit du côté des Français, que ça soit du côté, FLN, ALN, quoi. Voilà, beaucoup de gens sont morts pour rien, parce qu'ils sont seulement suspectés. Donc c'est à ce niveau-là. Et puis après, la prise de conscience qu'il fallait travailler sur le terrain. Et Sayad disait, c'est la première fois en Algérie où on a fait des enquêtes sociologiques de ce type. La première fois dans toute l'histoire. Donc c'est par rapport aux travaux d'avant qu'il faut mesurer ça. Vous voyez? Et c'est comment, avec parmi les statisticiens, tous n'étaient pas favorables, on va dire oui, tous n'étaient pas du même bord que Bourdieu et Sayad et les autres. Mais ils ont fait un travail sérieux. Et donc c'est cette question-là qui se pose, comment est-ce qu'on peut travailler en situation colonne, la situation de guerre? Ils se la sont posée, et pour moi c'est une question très ancienne qu'a posée Michel Léris, le pauvre, voilà, il disait oui, mais à ce moment-là, on perçoit nos missions de ce pouvoir colonial. Oui, même sous le pouvoir colonial, les gens vivaient, ils faisaient leur travail.
Voilà, c'est ça. Et donc, et Bourdieu a répondu à ça. Et surtout, par rapport... Et Sayad a répondu, il a dit oui, eh bien, on s'est tous concertés. Faut-il le faire ou faut-il ne pas le faire dans ces conditions? Eh bien, on va le faire. Et ce n'est pas de la compromission que de ne pas le faire. Et c'était ne pas le faire qui était grave. Et puis en même temps, au moment où l'armée était peut-être dans la destruction, lui, il a rassemblé, il a travaillé. Exactement. C'est une course contre la montre. Aujourd'hui, on a ses photos, on a des esquives. Bien sûr, mais tout à fait. Heureusement qu'ils ont fait ça aussi. Ben heureusement qu'ils ont fait ça, mais comment on aurait pu savoir? Comment on aurait pu savoir? Et puis après ça, il y a eu le travail de Cournaton, après l'indépendance. Même après l'indépendance, on n'a pas voulu le laisser enquêter dans les... Et pourtant, c'est des Algériens. Ils ne l'ont pas laissé. Pourquoi est-ce qu'il va enquêter sur ça? Et puis, là, on peut voir aussi, chez Cournaton, eh ben, il y a le croquis d'une maison kabyle. Donc, en 67, juste après Bourdieu, eh ben, il y avait encore des maisons kabyles. Je n'invente pas. Et on peut trouver ici en 74, tu vois. Et Cournaton, sur le plan personnel, il n'était pas d'accord avec Bourdieu, mais il a reconnu en disant que c'est un travail, qu'ils avaient fait un très bon travail. Et le travail, encore une fois, ce n'est pas le questionnaire uniquement, c'est de l'observation. Bien sûr. Et puis, Tazqam, Tazqan ou Alasglina, Tamzouarou, la base, Kinilou Lardis. Donc, bien plus tard. Tu peux nous dire quand tu es né? Non, il faut le dire en français. Donc, je suis né dans les années 70. Dans une maison comme ça? Une maison, vraiment. Ah, bah voilà. Donc, alors, je ne comprends pas comment on peut dire. Et puis, notre village, Igouj. Parce qu'à l'époque, on disait Sougoudjenten, mais on nous a mis dans notre village. Voilà, ils nous ont déplacés, mais les maisons n'ont pas été détruites. C'est ça, ben oui. On a la preuve moi-même. Ben je peux témoigner, je peux confirmer qu'il y avait des maisons. Donc, eh ben, chez notre ami là, de Strasbourg, comment il s'appelle? Tu connais? Ah oui, tu oublies son nom, effectivement. Ben oui, lui aussi, Salah. Ben lui aussi, ils ont été déplacés. C'est-à-dire qu'on fait de gros villages pour pouvoir justement mieux surveiller, mieux contrôler, sans détruire. Mais des fois, ils détruisent. Oui, détruisent. Voilà. Alors, il y a un village d'ailleurs, je ne l'ai pas ici. Ça, c'est vraiment incroyable. On m'a envoyé la photo dernièrement. Alors, les militaires, non seulement ils ont détruit le village, mais ils ont obligé les femmes à transporter leurs propres poutres, il n'y a plus d'hommes. Ouais. C'est les femmes qui transportaient les poutres pour aller au camp et monter d'autres maisons. Et là, il y a un sculpteur qui a laissé sur la place de ce village. C'est une torture. C'est quand même incroyable. Et c'est ça, les tortures. Bien sûr, c'est pas simplement... voilà. Et pourquoi ils n'ont... D'abord, moi, je pense qu'ils n'aimaient pas la violence physique, ça, je vous le dis. Mais en même temps, les tortures physiques sont connues. Mais tout ce qui est cynisme par derrière, qui n'est pas connu. Bien sûr. Voilà. Et alors, ma dernière question, c'est qu'est-ce qui a fait qu'on a vu qu'il y a eu des maisons qui ont été détruites, mais 20%, 30%, d'autres sont restées. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à l'habitat d'aujourd'hui? Aujourd'hui, en Kabylie, il y a un changement total. On arrive à garder certaines, comme vous dites, mais quand on voit tous ces bâtiments qui ont poussé comme des champignons dans les villages, on se dit dommage, on n'a pas su peut-être protéger, moderniser... Oui, d'abord, je vous dirais que c'est un phénomène presque international. C'est une espèce de poussée vers la modernisation, en général, hein, parce que vous allez chez les Romains, chez les Gitans aujourd'hui, comment ils construisent en Roumanie, il faut voir, c'est des palaces. Oui. Ça, c'est une chose. Mais aussi, autre chose, c'est que la guerre, c'est un phénomène total. On ne le voit pas sur le champ, mais toutes les transformations qu'elle induit. Donc, les gens, justement, Bourdieu avait remarqué ça, on revient à Bourdieu et les autres, je ne fais pas comme tout, moi je fais pareil en fait comme ça. Avec Bourdieu, ils avaient remarqué que quand les gens venaient de la campagne, de leur village, vers les camps, ils ne mangent plus le couscous, ils ne veulent plus manger le couscous. Les enfants, non, on veut de la chorba, on veut manger du fromage, on veut manger autre chose, parce qu'il y a eu une rupture, il y a le monde d'avant. Tout ce que la colonisation leur a mis dans la tête, c'était des arriérés, c'était des gens qui ne savaient pas cuisiner, c'était des gens qui étaient mal. Donc, c'est pour ça qu'il raconte comment, dans une des photos, eh ben, on voit une femme qui habitait en robe kabyle, et quand elle est au camp, elle s'habille comme les femmes d'Alger. Tu vois? Elle porte même des bijoux en or, alors que les kabyles ne portent jamais de bijoux, en argent. Oui. Donc on change de costume, on change de nourriture, on est ailleurs, comme si on était dans la ville alors qu'on n'est pas dans la ville, tu vois. Donc c'est toutes ces ruptures-là qui se sont opérées et dont on n'a pas tout à fait conscience. C'est ça?
Mais il faut toujours garder espoir. Voilà, il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour la protection justement de ces maisons, pour la restauration de ces maisons. Et pourquoi pas, comme vous dites, peut-être qu'il y aurait des projets, voilà, Ben j'espère, non, touristiques. j'espère, non, mais encore cette discussion là très amicale que j'ai avec vous, ce n'est qu'une discussion, voilà, ce n'est qu'une discussion, et c'est normal que les gens s'interrogent, c'est que les gens peuvent douter s'ils veulent, mais moi je les invite vraiment à aller chercher. À aller Et il chercher. faut, Bourdieu n'a pas besoin de qu'on lui accroche des médailles, et il n'a pas besoin non plus, voilà, Le dénigre, quoi. qu'on le dénigre et qu'on casse son travail, ce qu'il a fait de mieux. Pas de mieux, beaucoup de choses mieux, mais là c'est très important parce que c'était un travail de jeunesse, un travail qui ouvrait quand même beaucoup pour l'Algérie et pas seulement pour l'Algérie, c'est un travail qui sert beaucoup pour les anciens pays colonisés. Colonisé. Merci beaucoup, Yacine. C'est le mec. Merci d'être resté avec nous. Restez avec Berber TV. Au revoir, à bientôt.